Tov. Allez. Chodesh Tov, on vous rach. Chodesh Tov. Non, je suis à droite. La Gemara nous dit Daf Kaf Bet Amud Bet. Shimon et Timni. Dans les lignes larges, un peu avant la moitié des lignes larges. Shimon a Timni Omer, Apala Dever. Quand il y a une pandémie, on sonne au shofar Shabbat. On sonne au shofar Shabbat. Charlie, tu nous entends? Ça marche? Laurent Bokertov, tu nous entends? Shimon Atim Niomer Afala Dever Ibaya Leou. Je ne sais pas si on vous en si mon micro. Mon micro est ouvert. Bon. Laurent, mon micro est ouvert. Le mien. Oui, il est ouvert. D'accord. OK. Alors, Shimon Atemni, il a dit que même Shabbat, on sonne au shofar, on crie, on assemble tout le monde pour prier pour la pandémie. Iba et Alehu. Et c'est écrit Velo, Doulo, Chachamim. Chachamim, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que c'est déjà demandé une prière. Chez Elat Sachim, Be Shabbat, on ne pose pas. Iba et Alehu. Peut-être qu'on lui a dit que Bichlal, on ne met pas ça dans les prières. Tashma de Tanya. Matrein ala dera be Shabbat ben tsakhlamar bechol. Rabbi Hanan ben Pitom, Talmidosh Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer. En matrein ala dever kelal veikar. On ne fait jamais des prières, des assemblements pour le dever. Vous savez pourquoi? Parce que matrein, c'est faire un assemblement. Faire un assemblement, c'est là que tu propages le dever. Chacun prie à la maison. Parce qu'ils vont appeler tout le monde et c'est là-bas qu'ils vont, ils vont être tous contaminés. Donc Rabbi Akiva, il a dit, jamais on fait un assemblement pour une pandémie. C'est là que ça se propage. J'ai déjà cette notion de oui, vous savez ça. Alcool, Sarah, je dois t'avoir à la Tzibour. Tano Rabanan, alcool, Sara, surtout malheur qui n'arrive pas. Matrein ale achutz mirov geshamim. Sauf quand il y a beaucoup de pluie. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à Kadosh Baruch Hu arrête d'envoyer la pluie? Maïta, ma'am Rabbi Yohanan efi she'enit palelim al rova tova. On ne fait pas de prière pour arrêter le bonheur. Ma'am Rabbi Yohanan minayim she'enit palelim al rova tova. D'où on sait qu'il ne faut pas prier pour quelque chose que Kadosh Baruch Hu donne pour un cadeau qu'il arrête. Et le prophète Malachi continue et il dit et je vous donnerai une beracha ad belidai. Belidai, ça veut dire sans limite. Amarami barav ad chivlu siftoterem milomar dai. Jusqu'au moment où vos lèvres vont être gercées de dire dai, dai, dai. Alors le Baal Shem Tov, il a posé une question ici. C'est écrit à la fin du livre pour Rat Yosef, de Todot Yaakov Yosef, dont on avait dit les lettres. Dai, le dalet, il vient d'où? De la langue. Le yud, il est heavy. Ça vient du Garonne. Alors, pourquoi ce fatahim, tu dis que c'est les lèvres? Ce n'est pas les lèvres. Ça déborde. Dai, ce n'est pas les lèvres. Non. Non. Il y a les lettres gutturales, il y a les lettres linguales. Ce n'est pas ni linguales, ni. Le dalet, c'est lingual, le yud, c'est de la gorge. Du fond. Parce qu'il ne travaille pas. Oh, il a fait merde. Le Baal Shem Tov, il a dit. Donc, il a dit tellement on sera occupé à dire dai et les lèvres ne vont pas bouger de cette position qu'ils vont sécher. Tellement il y aura de la bracha. Il y a des pluies qu'on a dit qui ne sont pas bonnes. Non, on parle des bonnes pluies. Pleut tout le temps, tous les jours.
Est-ce que tu as le droit, maintenant il pleut bien, tous les jours il pleut. Toi, tu veux aller à la plage, il y a quatre jours au courant. Arrange-moi la plage aujourd'hui. Non. Amarami Barav, Baraviod ou Bagola Matrim, allez en route, l'arrêt de suite. On demande d'arrêter la pluie. Mais en Israël, on en a toujours besoin. C'est-à-dire en Israël, il faut pas. Il n'y a pas de klala. Si ça ne touche pas la récolte, si ça n'abîme pas les, le blé, il ne faut pas dire c'est pas bon. Toujours c'est bien. On a besoin, ça ramasse de l'eau dans les puits. À l'époque, les gens, ils dépendaient à 100% de l'eau des puits. Il n'y avait pas de tuyau qui amenait l'eau. Tu habitais sur une montagne. S'il n'y avait pas d'eau, il fallait tous quitter la région. Un an, ça détruisait une ville. S'il n'y avait pas de puits. Il n'y avait pas de puits qui remplissaient les puits. Quand il y a beaucoup de pluie, Anshe Mishmar Shulachim le Anshe Mahamad. Le Anshe Mishmar qui accompagnait les Kohanim, ils envoyaient Anshe Mahamad, c'était des juifs qui faisaient des tfilot tout le temps. Dans Dov Kavav, on va expliquer c'est quoi Anshe Mishmar et c'est quoi Anshe Mahamad. Tenu Enechem Be'achechem Shebagola. Priez pour vos frères qui sont à Babel. À Babel, il n'y a pas beaucoup de pierres, c'est que de la terre. C'est une vallée. Comment on dit ? C'est plein, une plaine. Une plaine. Une plaine. C'est en bas. Non, ça, c'est une cuvette. Une cuvette. Et il n'y a pas de pierre. Et c'est que de la boue. Et les maisons, quand il pleut beaucoup, elles s'effondrent. Elles tombent. C'est de la boue. Hein ? C'est de la boue. Ouais. Alors, priez pour eux, même les juifs du Sharon. À l'époque, personne qui venait habiter au Sharon à cause de cette raison. Quand tu veux faire des fondations pour une maison ici. Il faut creuser 3 mètres dans la terre. Il n'y avait pas ces technologies à l'époque. Et quand ils construisaient les maisons, en hiver, la terre est mouillée, ça ne tenait pas. Le Kohen Gadol faisait une bracha spéciale au Kodesh HaKodashim pour les Juifs du Sharon, que leur maison ne devienne pas leur tombe. Chez Bagola, chez Doi Batem Kivrei, c'était plein d'eau. Toute la région était pleine d'eau. Regardez la fin de Rehov Arlozorov, les eucalyptus. Pour les marécages qu'il y avait ici dans le coin. Oui. Shalou et Rabbi Eliezer, Adechan Gishamim, Yordim, Vit Palelou, Shlo Yerdou. Tu me dis d'un côté, il ne faut pas demander que ça s'arrête. D'ailleurs, vous savez, les juges du Maroc, tu ne dis pas stop pour quelque chose de bien. Si par exemple, il y a quelqu'un que tu lui donnes à manger et tu le sers, tu dis combien tu veux, tu ajoutes dans son assiette. Et il te dit, ça fait, c'est stop, c'est pas beau. Tu ne dis pas sur, tu dis baraka, il y a de la bracha dans ce qu'il y a ici. Tu ne dis jamais, arrête, c'est de la bracha. La nourriture, c'est quelque chose qui te nourrit. Donc, quand tu veux dire à quelqu'un qui arrête, quand c'est de la nourriture, tu dis baraka. Quand il t'énerve ou il t'embête, tu lui dis ça fait. Mais tu ne dis pas quand il t'énerve, baraka, qu'est-ce que ça veut dire, quel rapport ? Il t'a fait une bracha ? Ah, même si c'est ta belle-mère qui veut te rajouter une louche de couscous, pour éviter les histoires. Toujours. Alors même ici, tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, il t'amène la parnassa. Quoi, tu vas dire stop. Tu dis bracha. Alors il te dit même là, c'est fin. C'est quand je commence à demander. Quand il faut commencer à prier. Alors regarde qu'est-ce qu'il a dit. Adirah gishamim yordim veit palelu shelo yerdu amar lehem kedei sheya'amod adam. Bekeren Afel. Keren Afel, c'était un rocher qu'il y avait dans la région. Vishachcher Raglav Vamayim. Ses pieds seront pleins d'eau. Ça veut dire une grosse quantité d'eau. Vadaï, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à Keren Afel. Veatania Yada Viraglav. La Gemara a dit ah, c'est pas les pieds, c'est les mains. Et le haut des pieds. Il dit non. Il c'est comme les pieds. Le haut des pieds, ça suffit déjà, c'est gênant. Amar Rabba Barbarachana, les Didi Haziali Kirenafel, j'étais là-bas dans cet endroit. Des Kam Haou Taïra, il y avait un bédouin là-bas, Kirahiv Gamla, Vina Kitrum Habeyade, Mitreze Iniba. Il dit. Cet endroit, j'ai vu une fois un bédouin sur un chameau et il avait une lance dans la main.
Et quand moi, je voyais d'en bas, ça paraissait comme si c'était un ver de terre, tellement petit. Ça veut dire, cet endroit est très, très haut. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, pratiquement, il a dit, il ne faut jamais prier pour l'eau que ça s'arrête. C'est ça ce qu'il veut dire. Tanou Rabbanan. Venatati Gishmechem Beitam. La bracha, c'est quoi Gishmechem Beitam? L'eau Shikora Velo Tsemea. Shikora, la terre, quand elle est embibée, elle est ivre. C'est comme un homme qui vomit, il est plein de vin sur lui. On ne veut pas ça non plus. Velo Tsemea. On ne veut pas que la terre elle soit sèche, soit assoiffée. Et la Benonite. Shekodman Jagishami Merubim. Quand il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas de fruits non plus. Il faut qu'il y ait de l'air. Ce qui fait toujours, quand vous avez un arbre, vous voyez qu'il arrête de donner des fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser autour pour aérer. Vous avez une plante à la maison. Vous versez chaque fois de l'eau d'en haut. Qu'est-ce que ça fait avec le temps? Ça fait une sorte de couche dure qui empêche l'air de rentrer. Elle tombe. Il faut aérer, c'est l'air avec l'eau qui fond. Donc, une terre qui est absorbée d'eau, c'est de la bouillasse. Ça ne fait pas sortir des fruits. C'est quoi de mon chagéchami, mais pour bim, mais t'as chéri une tarte de la moitié de la perrotte. C'est quoi Beritam? Belele reviriyot ou vlele shabbatot. Pourquoi? La Gemara, elle raconte dans ma série de Pissarim, d'Afkouf Yudbet, qui avait la force de la Toum'a des démons. Elle s'appelle Agrat Bat Mahlat. C'est la reine de tous les Mazikim. La reine des démons. Un jour, Rabbi Eliezer, il marchait le soir, et elle est venue chez lui, elle a essayé de l'attraper. Elle n'a pas réussi, elle lui a dit, si tu n'étais pas Rabbi Eliezer, je t'aurais coupé en morceaux. Il a dit, pourquoi? Je suis tellement important. Il a dit, oui, dans le ciel, on dit que tu es l'homme le plus important qu'il y a dans le monde. Si je suis tellement important, je t'insulte et je te maudis si tu viens et tu rentres dans les endroits où que les gens s'est habité. Il s'est mis à pleurer. Quoi? J'aurais plus de clients à cause de toi. Tu m'enlèves tout de moi par NASA. Il a dit, je te permets, mercredi, elle est le Shabbat. Mercredi, elle est le Shabbat, les gens ils sont chez eux à la maison, ils ne sortent pas. Je te permets de sortir, de tourner dans les routes. Pourquoi le mercredi? Non, parce que le mardi, ils ont fait la moitié de la semaine en marchandises. Et les marchés, ils se préparaient pour. Donc, les gens ils sont à la maison. Une fois abaillé et marché dans la route, c'était un mercredi. Elle est venue, elle a attrapé. Elle lui est tombée dessus. Elle a vu qu'elle ne peut pas le toucher. Elle lui a dit, si tu n'étais pas abaillé que dans le ciel, on dit honorer cet homme de la Torah, je t'aurais coupé en morceaux. Il a dit, ah ouais, je suis tellement important. Si je suis tellement important, je t'interdis à rentrer définitivement dans aucune ville. Il a dit, mais il m'a autorisé. Lui, il a autorisé, moi, je suis plus important. Je suis plus important, je t'interdis. Et depuis, il n'y a plus à Agrat Bat Mahlat. Ni les mercredis, ni les Erev Shabbat. Donc, mercredi, il y a la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il n'y a personne dehors. Ah, il y a piscine. Voilà, donc là, alors c'était à l'époque. Alors il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie de toute façon dans des moments où personne ne sort. Donc il n'y a pas de dégâts. Quand tu sors dehors, il n'y a pas de dégâts de pluie. Tu sors, tu es tranquille. De toute façon, tu ne sors pas. Le mercredi soir, le matin, quand tu te lèves, ta terre est bien arrosée. Bon, Hachem, l'eau, il a eu le temps de. En fait, il n'y a pas de boue, c'est tranquille. Donc, il dit, ça, c'est une bracha. Que la pluie, elle ne gêne pas le quotidien du jour au jour. Ça, c'est une bracha. Venatati Gishmechem Beitam, sans vous gêner. Sheken Matsin, écoutez. Bime Shimon Ben Shatah, Shirdulan Geshamim, Belele Reviot, Belele Shabbatot, Achna Asu Hittim, Keklayot, Useraorim, Kegarine Zetim, Vaadashim, Kedinare Zahav. Ça veut dire, chaque fruit, il faisait trois fois sa dimension. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils les ont gardés dans des batemidrash, dans des pots en verre, pour montrer aux générations
combien la faute de l'homme est lui et le prive de bracha. Quand un homme il fait des averot, il est privé des brachot. Voilà. Il disait aux gens, regardez quelle belle parnassa on avait quand on faisait la volonté d'Hachem. Cinéma. Hein? Pardon, c'est étonnant parce que la Beitane, c'est le temps au bon moment. Oui. Et avant, on l'a dit, il ne faut pas que la terre soit. Non, mais elle n'est pas, elle est pas chez Korah. Elle n'est pas chez Korah. Tu as le mercredi. C'est un état de. Mercredi, la terre, elle reçoit plein d'eau. Ouais. Et là, le jeudi, pour se reposer, pour évacuer, c'est, elle s'aère. Encore une fois, Shabbat, et après, 4 jours tranquille. Donc, là, il y a toutes les quantités d'eau qu'il fallait. Il dit, c'était comme qui est écrit, le prophète Jérémie, il dit, « Que moi, avonote remitu ele, vachatot ere manon atov mikem. Veken matzinu bime hordus, shayu oskim le binyan bet amigdash. Ayu yordim gishamim balayla, le maharad nashva arouach ven pazwa aravim vizaracha ahama, les années où ils ont construit le temple de Hérode, toute Jérusalem a participé dans la construction. Le soir, même en hiver, le soir, il pleuvait. En journée, il faisait, c'était ensoleillé, il travaillait. Ils n'étaient pas gênés. Ça, c'est le Icar de la bracha. La nuit, quand la pluie tombe la nuit, il n'y a pas mieux que ça. Le matin, les routes sont propres. Quand à l'époque, quand il pleuvait, il n'y avait pas de marché ces jours-ci. Tout le monde était dans les souks. Personne qui faisait sortir la marchandise dehors et pleurait. Maazé, chez Chalchou, les Rouni à Maragal, à Meragel. Elle assiste sur l'histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est le kécher qu'il y avait avec. Avec le haut. Avec le haut, parce que les veillées de soi. Ah, mais Marc-Anne, il y a des hauts. Viadon, oui. C'est le kécher que Hachem, il veut qu'il travaille. Maran, il ne les annule pas. Maran. On te dit, quand il y a un événement de Torah, où il y a un événement de mitzvah qui est annulé. C'est pas il y a de la pluie. C'est-à-dire, Hachem, il te dit, c'est pourquoi on sort de la souka quand il pleut. C'est Hachem, il te dit, j'ai pas envie de ta souka. Rentre à la maison maintenant. J'ai pas envie. Ça ne me fait pas plaisir que tu fais une mitzvah. Rentre. C'est pour ça que quand quelqu'un il reste dans la souka, c'est tu continues, tu restes devant un Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas de toi. Rentre. Rentre. C'est comme il y a quelqu'un, il est invité. Il est invité pour prendre un café. Il reste une heure, deux heures. Le bar là-bas, il veut lui dire. Il lui dit, attends, je vais aller étendre le linge. Et il reste là-bas encore. Et il lui dit, il accompagne derrière. Il n'a pas compris. Rabban Gamliel, la Gemara raconte sur Rabban Gamliel, il avait des élèves. Ils étaient collants. Collants. Et Rabban Gamliel, il ne lui laissait pas le temps de respirer. C'est-à-dire, alors, ils sont venus chez lui à la maison. Ils étaient assis, ils leur ont enseigné la Torah. Il reste, il ne bouge pas. Alors Ben Gabriel, il se lève, il rentre dans la. Ils avaient le salon à l'époque où ils recevaient tout le monde. Après, il y avait entre le salon et la maison, il y avait encore un petit hall où tu faisais rentrer un homme plus important, plus intime à l'intérieur. Et il rentre là-bas dans cette chambre, ils le suivent. Il dit, je vais rentrer. Il rentre dans la deuxième, il rentre chez lui à la maison. Il a dit, je croyais que vous comprenez. Vous n'avez pas compris ni l'eau froide, ni l'eau tiède, ni l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour que vous partez? Ça, c'est... Alors, mon père, il me disait toujours, il y a une Gemara, elle dit, tout ce que le Baal HaBayit, tu as dit, comment je suis le Baal HaBayit assez, chutz mitzé. Et tous les mefarshim, ils ne comprennent pas. Le Baal HaBayit, il te dit, fais tout, sauf de sortir. Mon père dit, sauf de sortir dehors, qu'il n'a pas besoin de te le dire. Tu dois comprendre avant. Chaque fois, quand j'allais chez des amis, mon père me disait, Houtz mitzé, n'alourdis pas, sors avant qu'on te dise. Maasé shechalachou lechoni ameragel. Tanou rabbanon. Pam achat yatsar rov adar velo yarduk shamim. Vous comprenez ce que ça veut dire? On est arrivé à la majorité du mois de Hadar. On a dépassé Pourim et il n'y avait pas de pluie. Depuis Réjouin, depuis après Soukot, pas de pluie. Shalachou lechoni ameragel. Itpalel v'yerdouk shamim. Fais la prière pour qu'il y ait de la pluie. Itpalel v'le yerdouk shamim. Adrouga, il a fait un rond. Un cercle. Un cercle. V'amad betocha kider sha'asa Habakouk anavi. D'où il a appris de faire ça? Le prophète Habakouk. C'est qui Habakouk? Vous savez de qui Habakouk? Prophète. C'est qui?
Habakkuk, c'est le prophète que Elisha, c'est le fils de la Shunamite, que Elisha lui a sauvé. Quand il est mort, elle l'a ramené. Ouais. Elle l'a mis sur l'âne. Elle est partie, elle a dit, et Elisha, il l'a réanimé. Et il s'est dit, il faut créer ta médecine. Et c'est pour ça que Habakkuk, il a dit, Sadik be'emunato yechi, grâce à la emuna de maman, il est mort. J'ai vécu. Si ça m'est arrivé, un enfant mort, je vais l'amener chez le prophète. Il sera dans la tombe. Tfilat Shav, il y avait une question sur Tfilat Shav. Oui. Alors, Habakkuk a dit, de ma chair, je vous dis, Sadik be'emunato yechi. Avec la emuna que ma mère, elle avait un enfant qui est mort. Elle a pris, elle a mis sur l'âne, elle est partie chez Elisha, elle lui a posé, elle lui a dit, tu vas me faire. Ça, c'est Habakkuk. Habakkuk, tout le temps, c'est Emouna. Habakkuk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris d'Elisha à s'entêter. Quand il faisait une fila devant Kadosh Baruch Hu, il disait, va Anochi, al Mishmarti, Emouna. Quand je demande à Hachem quelque chose pour le Hamissa, je ne bouge pas tant que ma demande n'est pas réalisée. Alors de lui, il a appris, prends Yama Hagel. Et quoi ça sert de faire un cercle? Il a juré qu'il ne sort pas de la partie. Mon rave m'a dit, avant qu'il ait Niftar, il m'a dit, s'il y avait 10 juifs, il m'a dit 10 juifs qui seraient partis au Kotel, qui auraient fait un cercle comme Ronya Mahagal, et ils auraient dit à Kadosh Baruch Hu, on jure qu'on ne bouge pas d'ici tant que tu n'as pas amené la Géoula, mais pas parce qu'on souffre des Arabes. Pour toi, on jure, on meurt, on bouge pas d'ici. Tant que tu n'as pas amené la Géoula, on ne bouge pas d'ici. Il dit le Mashiach, il viendrait, il m'a dit, moi je suis un des 10, mais je ne trouverai pas dans cette génération 9 comme moi. Comme ça, il m'a dit. C'est incroyable. Et moi, je suis... Il a dit, parce que les gens, ils prient aujourd'hui pour que ça guérisse celui-là, pour que ça s'arrange ça, pour que Bennett y tombe, pour moi. Il dit, 10 personnes, ils feront comme Ronny Amaravé, ma chère, il va venir. Il a dit, mais je ne trouverai pas. Et il dit, tu sais pourquoi moi, il dit, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout. Je sais, j'ai qu'un cadeau, je vais en prendre. Alors il a dit, regardez, Amar Lefanav Ribono Shel Olam Banecha Samu Penem Alai. Ces enfants sont venus et ils mettent tout leur espoir en moi. Shani Keben Baïd Lefanecha, car je suis comme un homme qui rentre et qui sort devant toi. Nishba Ani Beshimcha Gadol, je jure en ton grand nom, dans le Shema Meforash, Shenizaz Mikana Cheterachem Al Banecha, que je ne bouge pas d'ici jusqu'au moment où tu auras pitié de tes enfants. Tu te rempliras de miséricorde pour tes enfants. Et Trilo Gishami Menatfim, ça commençait à égoutter. Amo le Talmidav Rabbi, Re'inoucha Velonamut. Il dit, Rabbi, tu nous as... C'est une expression. Re'inoucha Velonamut, ça veut dire... Fais attention, Rabbi, n'arrête pas. On a vu que tu as été exaucé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a voulu te casser ton serment. Tu as juré que tu ne bougerais pas d'ici. Il a amené de la pluie pour que tu puisses sortir dehors. Mais on va mourir. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Kim Domi Manu Sheng, j'aime mieux dire, mais la terre, je vous rattrape. Amar, il a dit au ciel, Lokar Shaalti, Ela Gishme Borot Shirin Narot. J'ai demandé de l'eau qui va remplir tous les puits qu'il y a à Jérusalem. Yardou Bezaf, la pluie commençait à tomber. Hachekol Tipa Kimlo Pichavit. C'est-à-dire que chaque tipa, elle tombait pour de quoi remplir une fiole. C'était des grosses gouttes. Loug, c'était 200 millilitres chaque goutte. C'est terrible. T'imagines, un homme, il prend dans la tête des gouttes d'eau qui sont 200 millilitres, des canettes de coca. Que ça tombe. Bon, c'est vrai que ce n'est pas fermé avec. C'est dangereux. Amar la Elfanav Loker Shaalti. Ah, ils lui ont dit, ses élèves. Amrou la Tamid Avrabi. Réinou Ravelonamou, Kimdomi Manou, Shen, Gishami Murdim, et la Labedar, maintenant, Hachem, il veut nous détruire avec cette pluie. Amar Elfanav Loker Shaalti.
et la Gishmei Ratzon Beracha. On est dans la, comment on dit dans la bracha de Baruch Alem. Gishmei Ratzon Beracha. On est d'abord. Amar lo kachal tiel la Gishmei Ratzon Yardu ketiknam ad she'alu kol ha'am la'arabait mibnag shanim. Tout Jérusalem, ils sont montés dans le mont du temple. C'était l'endroit le plus haut à Jérusalem, la plus remplie et la tour remplie. Amo le Rabbi, Keshem Shitpal, Tashirdu, Kachitpal, Viel Khulem. De la même manière que tu as prié pour qu'ils viennent, tu as prié pour que ça s'arrête. Amo le Kach, Mekoublani, Shehen, Mipalelim, Al-Rova Torah. Il a dit non, j'ai reçu des Merabanim, comme il a dit Rabbi Eliezer, compris que, qu'on n'arrête pas le bien que Hachem nous donne. Afal Piren, Avi Ouli Paroda, amenez-moi un taureau qu'on va égorger comme corban. Et vu le paroda, ça marche te yadav alav, il a vu la semicha et amar le fanavri, bono shel olam. Ah, mecha Israël, shel tzeta mimitzrayim, enam yicholim lo berov tova ve lo rov berov pouranot. Le peuple que j'ai fait sortir d'Égypte, ils ne peuvent pas ni avec trop d'abondance, ni avec trop de mal. Pourquoi? Karasta alem, enam yicholim la'amod. Tu es en colère, ils ne peuvent pas tenir. Ishpata alem tova, enam yicholim la'amod. Yiratam milefanecha, shei pasko agishamim ve yirevach barolam. Pour que je te demande d'arrêter la pluie et qu'il y ait de l'abondance dans le monde. Miad nashva ruach, venit pas ruach avim vezarcha hama. Tout de suite, il y a eu un vent qui a éparpillé les nuages. Il y a eu le soleil, viatsu aham la sade. Qu'est-ce qu'ils vont manger tout de suite? Les tarfash et les champignons. Verdu aham. Les truffes. Viatsu, j'ai vu l'inquiétude parce que les truffes, elles viennent avec les orages. Oui. Non, non, les orages. Les orages. Les terfaches, c'est les orages sous le sable. Quand, dans le désert, les Arabes, ils amènent ça au Negev. Quand il y a les orages au Negev, il y a des truffes qui sortent sous la terre. Et ça, c'est les. Je ne parle pas des truffes à 2000 euros le kilo. Hein? Bien sûr, au Negev. Quand vous allez, avant Pessah, vous allez au marché de Be'er Sheva. Avant moi, je me rappelle, j'allais avec un oncle. On allait, les Arabes, ils ne comprenaient pas il n'y avait pas de demande. Les Marocains n'allaient pas. Il n'y avait que les gens de Bergerac, les connaisseurs. Les Bédouins, ils amenaient des sacs avec la terre, avec plein de sable. Il fallait bien les laver et les nettoyer. Et on les achetait. Maintenant, ils ont compris. Avant Pessah, tu vas à Bergerac. Les Bédouins, ils les vendent 250, 300 shekels le kilo. Mais avant, ça ne valait rien du tout. Tu les achetais un peu plus cher que les pommes de terre. Tu as roulé les yeux. Non, la vraie truffe, c'est une autre chose. Mais Kmehim, qui est écrit dans la Gemara, c'est les terfaches. C'est ça. Donc, c'était les choses qu'ils mangeaient quand il pleuvait. Et les champignons. Tout de suite, tu vas dans un endroit humide, ça pousse tout de suite, tu as de quoi manger. Oui. Il faut faire dessus. Quel bracha on fait dessus? Sur les truffes et sur les pitriotes. Chez Akon, il y a vite. Ah bon? Ouais. Ça ne pousse pas de la terre. Ça pousse pas de la terre. Ça pousse de l'orage. En l'air. Les champignons de Paris, c'est ça? Dans les caves, ça pousse à Paris. Les champignons de Paris. Même les endives, ça pousse dans les caves. Ça pousse dans le noir. Dans le noir. Oui, mais dans la terre. Quand même. Mais ça pousse dans la terre. Mais il y a des racines. Il y a des racines. Mais pas des champignons. Champignons, il y a un peu de racines quand même. Il n'y a pas de racines. Ils disent qu'il y a des racines. Ils disent qu'il y a des racines. Ouais. Des racines très fines. Mais ce n'est pas des racines. Ils disent que moi. Là, c'est Adama ou c'est Chacol? Chacol. Chacol. Ils ont dit les champignons chez Chacol. Champignons, ouais. Ils ne tirent pas leur subsistance dans le haut et d'en haut. Shalachlo. C'est ça. Shalachlo Rabbi Shimon ben Shattah, le beau-frère de Yanaï, le roi. C'était à l'époque de Salomé et de Yanaï. Il m'a les choni à ta gozrani à l'échani douille. Si tu n'étais pas choni, je t'aurais mis en quarantaine. Chez Ilou, Chanim Kishne Eliaou, chez Maftechot Gishamim Biado, chez Eliaou, l'onim Tachem Shamaim Mitralé la lettre. Il lui a dit à Kadosh Baruchon, il a dit toi, tu es plus fort que Eliaou en avis. Eliaou en avis, il a juré que Kadosh Baruchon, il ne mettra pas de la pluie. À l'époque. Comment Eliyahu HaNavi, il a ramené Amisra Bitchouva? Il a juré, Eliyahu HaNavi, qu'il n'y aura pas de pluie en Israël. Dans toute Israël, il n'y a pas de pluie 3 ans.
Un jour, Achav, il le voit, il lui dit, oh, Rer Israël, tu fais du mal à ton peuple. Moi, oh, Rer Israël, toi, oh, Rer Israël, avec la Avodah Zara que tu laisses faire ici. Il dit, ben maintenant, on va faire un test, on va voir qui c'est qui est capable de ramener la pluie, moi ou vous. Allez, tous au Mont Carmel, tout le peuple Israël arrive là-bas. Il dit, on va voir qui c'est qui va appeler le feu qui descend du ciel. Et il y a tous les crétins qui montent, qui essaient de faire... ils essaient d'amener la pluie. Ils sont 400. Ils font un hôtel. Ils égorgent un taureau. Ils ont mis quelqu'un en bas avec une torche pour qu'il allume quand ils font... Mais quand il s'appelait Riel, quand il était dessous, il devait mettre le feu d'en bas pour que ça s'allume. Il y a eu un serpent qui est venu, qui l'a piqué, qui l'a tué dessous. Et il croyait qu'il s'est endormi. Et il criait. Alors, il leur dit, votre Dieu est en train de faire la siesta, il faut le réveiller. Donc, il se piquait, il essayait de faire des sorcelleries. Eliyahu HaNavi, va yibaralot mincha. C'est la prière préférée. C'est pour ça que la Gemara a dit, mincha, c'est la prière. Va yibaralot mincha. Eliyahu HaNavi, il prend de l'eau et il verse sur le corban de l'eau. Ça éteint le feu. Et il a dit trois mots. Aneni, Adonai, Aneni. Réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Réponds-moi le premier, donne-moi. Et réponds-moi que le âme Israël, il n'y aura pas des idiots qui vont dire que j'ai réussi à faire ça par de la sorcellerie. Ah oui, en plus, oui. Quand il a fait ça, 1 million de personnes. Et plus à Malpenem, Yongo, Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. De là, ça vient, Kavala de Malchut Shamayim. Ils ont fait tes jours. Il leur a dit, vous voyez tout cela, maintenant, égorgez-les. Ils ont tous égorgé. Et Isabelle, la femme de Isabel, la femme de Ahab, lui a dit, sauve-toi d'ici parce que ton sort sera comme leur sort à eux. On dit oui. Il s'est sauvé 40 jours. Et les corbeaux, qui sont des oiseaux cruels, ils ne sont pas gentils avec leurs enfants. Un corbeau, c'est méchant comme... C'est des rapaces. Ils allaient dans la maison de Achav. Il y avait Obadia qui était chef dans la cuisine. Obadia, il égorgeait bien. Le prophète, ouais. Il était cuisinier. Il était chef responsable dans la maison de Achav. Obadia, il a caché 150 prophètes chez lui à la maison. Dans le quartier, il habitait dans le quartier résidentiel. Et Achav, il assurait la shrita kasher. Il y avait les corbeaux qui venaient, qui traînaient. Ils prenaient de la maison de Ahav et ils amenaient Eliyahu HaNavi dans la grotte pour manger. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a montré que celui qui est l'animal le plus égoïste qu'il y a, le corbeau, c'est lui qui est égoïste. Il a soupçonné Noé et ne voulait pas sortir de la Théba parce que sa femelle est restée dans la Théba. Quand quelqu'un il est... Il a soupçonné Noé. Oui, il a soupçonné Noé. Bon compte. Et quand quelqu'un il est tzadik, comme Eliyahu HaNavi, il a un bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, il y envoie sa parnassa par quelque chose qui est le plus loin à te dire dans l'idée. Impensable qui va t'amener ta parnassa. C'est-à-dire quand tu es collé à Kadosh Baruch Hu, tu as un tuyau qui t'amène la parnassa chez toi. Il faut pas avoir. Et dit le Ramban, celui qui est Ma'amin Bashem, qui a un bitachon dans Hachem pour ta panassa, il va le nourrir comme il a nourri Eliyahu dans la grotte. Il ne dit pas poter, il dit par les choses les plus loin, les plus fous de la terre, il va lui amener sa panassa. Il faut être serein. Alors il lui a dit, alors il dit, peut-être plus grave que Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi, il a juré que ça ne vient pas. Et toi, tu as juré que ça vient. Il dit, maï, c'est là. Le marche ici, il a quelque chose d'intéressant, un point intéressant. Il dit comme ça.
Rachid a dit quelque chose de compliqué. Rachid dit, Eliyahu Hanavi, il a juré qu'il n'y ait pas. Et toi, tu jures que ça vient. Il dit, si tu avais été dans les années de Eliyahu Hanavi, tu fais un Hiloul Hashem. Peut-être qu'il y a un tzadik qui a juré, qui a la clé dans ses mains. Hachem, il a juré que ça ne descend pas. Et toi, tu obliges à Kadosh Baruch Hu de casser son serment. Tu fais un Hiloul Hashem. Alors, on est bien d'accord. Shimon ben Shadar, il a dit, il n'y a pas de tshuva ici dans le Ham Israël. Il n'y a rien qui a été fait. Et toi, tu viens, tu dis, allez, on va ramener la pluie. Quel droit ? Avec quel droit ? Avec quel droit ? C'est ce qu'on comprend là. Hein ? C'est ça la Mishnah. La Mishnah, s'il n'y a plus de pluie, comment c'est qu'il y a... Non, mais il n'y avait pas de fila. Il n'y avait pas de filote. Oui, mais sur quel mérite récupères ? Sur quel mérite tu viens, tu fais revenir Hachem sur sa position. Alors, Bemet, il a, alors c'est pour ça que Ma Eselach, She'ata mitrate lifne amakom, ve'rose lecha ke ben she'mitrate alaviv ve'rose lo retsono. Mais tu as appris à Am Israël une autre chose. C'est quoi être le fils d'Hachem? Donc tu as fait faire tes chouvas à Am Israël indirectement. C'est comme un enfant qui se gâte et qui dit à son papa, papa, fais-moi un bon banc, amène-moi au hammam. Et quand le père il l'amène là-bas, et le père il prépare l'eau chaude pour le, dans le hammam, pour lui mettre, il dit, ah c'est trop chaud, maintenant, il faut que tu m'amènes du froid. Alors le père il court dans la bassine, il amène du froid. Et il dit à son père, Tengi Egozim, donne-moi des noix. Il lui donne des noix. Après, il dit non, shkedim, des amandes. Après, il dit afarsekim, des poires. Rimoni venoten. Chaque fois, il passe à, passe. Ve'alecha, katuv omer, ismach avicha ve'imecha, ve'taged yoladtecha, que ton papa, ta maman se réjouit, ve'taged yoladtecha. Même la femme qui a aidé ta mère pour accoucher, elle est fière de toi. Tanu rabbanan. Après cette histoire, le Sanhedrin il a envoyé à Choni Amaragel une lettre. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? L'Ishkat Agazit, c'est le Sanhedrin. Va tigzor omer va yakom lach. Ve'al derachecha naga or. Ils ont dit le texte de Job. Toi, tu as fait un décret et ça s'est réalisé. Et sur toutes tes routes, il y a eu de la lumière. La Gemara, elle explique. Va tigzor omer. Toi, tu as fait un décret en bas et Akadosh Baruch Hu en haut a réalisé ce que tu as demandé. Une génération obscure, tu l'as éclairé par ta tefila. Qui est Shpilo? Tu nous as montré à nous tous. Qu'est-ce qu'on est capable de recevoir par la tefila? Veshach ha'enayim Yoshia, dor sheshach ba'avono, osha'ato b'tfilatecha. Il dit, une génération qui n'avait plus des yeux à lever devant Hachem. Vous comprenez qu'ils ne sont pas importants. Tu leur as dit, oui, Hachem, vous aime quand même. Yemalet, e'inaki, dor shelo e'inaki, milatto b'tfilatecha. Une génération qui était tellement sale par les agronautes, tu les as sauvés par ta prière. Venimlat bevor kapera, milatto bemaase yadecha haberurim. Tu l'as, avec tes mots tellement clairs, tu nous as sauvés notamment. En tous les cas, c'est-à-dire que Rabbi, ils ont dit, après cet événement, il y a eu un très grand mouvement de teshuva. C'est pour ça que le Sanhedrin, ils ont envoyé une lettre de remerciement à Ahon. Maintenant, la Gemara raconte la fin de l'histoire de Roni Amaragel. Vous savez comment il a fini sa vie? Une histoire terrible. Il lisait le chapitre 137 dans Tehilim. Oui. Shira Maralot, Beshuv Hashem et Shiva Tzionainu Kehol. Azim Alejien. Et il a dit là-bas, Beshuv Hashem et Shiva Tzionainu Kehol.
Il dit, Ari David Amelech, il a fait ce psaume pour l'exil qui est retourné à Sion, la galoute de Jérusalem qui était à Babel, 70 ans entre la première destruction du premier temple et le second temple. C'était 70 ans. Il dit, David Amelech, il dit, Aïdou Kicholim, ça passe comme un rêve. Quand même, que 70 ans passent comme un rêve, c'est pas si évident que ça. Un jour, il allait en dehors de la ville et il faisait chaud. Il voulait faire une sieste. Il est rentré dans une grotte pour dormir. Et quand il est parti dormir, la grotte, elle s'est fermée. Non pas qu'il y ait des animaux qui gênent. Et il est resté comme si c'était dans une tombe. Il a dormi 70 ans. Quand il se lève, la barbe, elle a poussé et tout. Il se lève et il retourne chez lui à la maison. Il voit que quand il s'est levé, après on va dans les mots, il voit que tout a changé, il ne comprend rien du tout. Il dormit à côté, dans une grotte où il n'y avait rien. Regarde, tous ces des champs d'olivier. Il reprend la route et il arrive dans sa ville, il ne reconnaît plus la ville. Vous savez que ça veut dire 70 ans. Ranana, imaginez Ranana à 70 ans. Regardez, il y a des photos sur Arcusa de Ranana il y a 50 ans. 70 ans, tout change. Il ne reconnaît plus rien, il ne trouve plus rien du tout. Il dit aux gens, elle est où la maison de Juan Yamaragel? Oh, yo, le vénère Juan Yamaragel, tu sais, il n'y a même pas de tombe. Il a disparu il y a 70 ans. Il y a ses enfants qui sont morts, mais il y a son petit-fils qui est vivant. Et il rentre, il tape à la porte. Il dit, c'est moi, Juan Yamaragel. Tout le monde éclate de rire. Toi, Juan Yamaragel. Ouais, il n'y avait pas de photo à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Il avait quel âge avant? 100 et quelques, 70, 140 ah, ans. Ah oui, d'accord. Il va au Beit HaMidrash, il dit, « Ana Juan Yamaragel, c'est pas Juan Yamaragel, d'accord. » Il dit, un vieux dérangé, et il le laisse. Mais il voit que quand il parle avec les gens, il parle des raisonnements et des notions d'il y a 70 ans. Et ça ne s'arrange pas. Quand il dit une phrase, des gens éclatent de rire. Même l'expression, ce n'est plus la même chose. Il n'a plus avec qui parler. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ou des amis ou la mort. Je n'ai même pas d'amis. Il sort, il fait une fila, il meurt. Et de cette histoire, on apprend beaucoup de choses. Regardez dans les mots. Alors, Amar Rabbi Yohanan, Kol Yamar Shalotot Tzadik, Haya Mitztayar Mikra, Zeshir Amalot Deshuv Adonai Et Shivat Zion Ayinu Kecholmim. Amar Mi Ika Denaim Shifrim Shanim, Bechelma, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui dort 70 ans dans le rêve. Yom Ahad, Ava Azal Beorcha, il allait dans en route. Hazelea ou Gavra de Avanate Haruba, il a vu un monsieur qui plantait un caroubier. Un caroubier à l'époque, leur caroubier. Même aujourd'hui, un caroubier, il ne donne pas de fruits vite. Ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps pour donner des bons fruits. Un caroubier, il donne des bons fruits après 70 ans. Alors il lui a dit, Amarle, Aïe, Adka Machanim Taïm. Donc, combien d'années il donnera bien des bons fruits? Combien de temps ça prendra? Il lui a dit 70 ans. Amar le pshita lach de chayit shirin shanim. Il dit, est-ce que toi, c'est tellement évident pour toi que tu vas vivre, il va avoir 20, 30 ans. Il a dit, c'est tellement évident que tu vas vivre encore 70 ans pour bien manger ces fruits. Il lui a répondu, Amar le haïgavra. Alma becharou va ashkarte. Moi, quand je suis venu dans le monde, j'ai trouvé des caroubiers. Je veux que mes petits-enfants aussi trouvent des caroubiers. Kéhi de chak lili avhati. Chak lili nami le baraï. De la même manière que mes parents ont fait pour moi, moi je fais pour mes enfants. Yativ. Kakari Rifta, il mangeait un sandwich. Atale Shinta, il y avait le sommeil qui est venu. Shinta, Nim Arderale Mishunaita, Irse Meena Venim Shivrin Shenim. Il était dans la grotte et il y a eu un rocher qui l'a couvert pour le cacher et pour le couver 70 ans. Kikam, Khazileaou Gavra de Ava Kamela Ketimnaïou. Il s'est levé à côté du caroubier. C'était une référence. Et il voit le caroubier, il voit un homme qui prend des fruits. Amar les atrou des ch'taltés, il dit c'est toi qui a planté là. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il n'est pas conscient encore. Amar les barbéana, je suis son petit-fils. Amar, oh là là, shma mina de naïme shirin shanim. C'est-à-dire que j'ai dormi 70 ans. Il a compris. Hazal les hamre,
d'Itiel d'aller ramrer, ramrer. Il a vu que l'âne qu'il allait avec lui, il y avait un troupeau. Hachem, il a gardé l'âne, mais il y avait un troupeau d'âne à côté de son âne. Ah, il a dû s'accoupler avec un autre âne qui allait en route. Azale Bété, Amar Léou, Bré de Hania Maragal Mikayam, il a dit, le fils de Hania Maragal, il est là. Amroulé, non, il est mort. Bré Leta, Barbéré, il a son petit-fils, il existe. Amar Léou, Anna Hania Maragal, c'est moi, Hania Maragal. Loïm Nouy, on dit, qu'est-ce que tu dis des bêtises? Azale Bété Midrash, Shemin ou les Rabanan de Kaamré, Nihirin, Nihiran Shmatetin, Kibishani Hania Maragal. Il dit, ah, ce sujet, on l'a appris bien, comme à l'époque de Hania Meragel, qui était le maître du sujet, que tout était clair, la Torah était claire à son époque. Derrière il est bien kol couché de Avou Léou les Rabbanan, mais Farik Léou. Toutes les questions qu'il y avait à l'époque de Hania Meragel, il arrangeait tout. Amar Léou, Ananéou, c'est moi, Hania Meragel. Le Himnou, Vlav de l'Ikara qui dit me baile. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas fait kavod comme qu'il fallait lui faire. Ils lui ont dit d'accord. À la fin, ils lui ont dit d'accord, c'est toi, Hania Meragel. Mais avec une manière genre, Zama, on va te croire, d'accord, allez. Ne nous embête pas. Halash Da'ati. Il a eu une Halishuta Da'ati, il était vexé. Ba'e Rahme, Omit. Il a fait une tfila et il est mort. C'est ce que les gens ils disent. O Havruta, O Mituta, ou les amis, ou la mort. Tu ne peux pas être solitaire. Il y a des gens qui disent, moi je suis solitaire. C'est des bêtises. Tu dis parce que tu es vexé maintenant. Parce que et moi je peux m'arranger tout seul. O Havruta, O Mituta. L'homme, il a été créé pour l'autre. La preuve, c'est qu'un Akadosh Baroukh Hou, il a partagé les métiers. Un homme ne peut pas être cordonnier, boucher, boulanger, tailleur, maçon, menuisier. Pas tout. Pourquoi? Pour que tu auras besoin d'avoir des alliés. Tu n'es pas boucher, tu vas jamais boucher. Tu n'es pas cordonnier, tu vas jamais cordonnier. Et ça fait ensemble que le monde, il sent ensemble. Le Olam, c'est le tsevet. C'est la force du monde. C'est l'union. Il y a des gens, ils veulent réussir même dans leur business. Un jour, j'avais quelqu'un, il a monté un super start-up. Je lui ai dit, écoute, il a déjà monté, il a commencé à travailler. Et je lui ai dit, vends 50%, comme ça tu as de l'argent. Et tu développes bien ton produit. Et il m'a dit, quoi? Je vais donner 50% aux autres? J'ai travaillé tellement dur là-dessus, déjà 2 ans je suis là-dessus. Je lui ai dit, c'est comme ça que HM veut que le monde se développe. Donne, tu vas évoluer. Ne cherche pas tout seul. J'ai dit, le temps que tu vas ramasser des fonds tout seul pour essayer d'investir, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre ton idée. Il m'a dit, non, dans un an, je vais avoir de l'argent, je vais vendre. 6 mois après, hop, il y a une société qui a développé cette idée. Il s'est fait doubler. Et il s'est fait doubler. Il faut savoir, dans la vie, pour la réussite, il faut avoir des alliés. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça la vie. Avoir des chaveries. Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. Mange un peu moins, finalement, tu vas manger le double parce que tu vas avoir les autres avec toi. Quand tu veux être solitaire, tu veux tout faire seul, tu ne réussis pas. O chavruta, o mituta. Savoir collaborer avec du monde. Savoir ajouter. On n'est pas solitaire. L'homme n'a jamais été le modèle de construction de l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il a dit, c'est ne pas être solitaire. Qu'est-ce qu'il a dit, Akadosh Baruch Hu? Dès qu'il a fait l'homme, l'autoviota Adam Levado, et c'est le Ezer Kenegdo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un système que l'homme, puisque l'homme, il était androgyne. Il aurait été un. Il aurait eu le système que lui, de lui-même, il tombe enceinte et il fait des enfants. Et chacun, seul, il reproduit. Ça existe dans la nature déjà. Oui. Le chez des animaux. Il y a. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous apprend par là? Que tu ne peux pas être seul. C'est un message d'Hachem. Que l'être humain, il est obligé toujours d'avoir des gens avec lui. Ça, c'est le message de la création. C'est exactement ça le message. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il a fait ça? Pour dire à l'homme que seul, c'est un échec. L'auto veillot à Adam Levado, il voulait qu'il comprenne. Et c'est le Ezer qui n'est pas. Bon, Radonai, alors là, maintenant.